Les entrepreneurs au Web Summit se perdent un peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 halles qui sont immenses, avec plein de gens. C'est très bruyant. Pour se démarquer, à mon sens, l'essentiel, c'est de communiquer sa passion avec conviction et sincérité, puisque finalement, c'est aussi sa personnalité, sa vision du monde qui permet de faire la différence. Une manière intéressante de se démarquer aujourd'hui dans son univers concurrentiel, c'est d'aller au-delà du produit, d'essayer de servir l'intérêt général, de trouver une cause qui nous est cher et qu'on va faire partager à l'ensemble de ses parties prenantes. Ce qui est intéressant pour une start-up au Web Summit, c'est la communauté qui se crée autour de toi. Comprendre qui sont tes concurrents, comment font les autres entrepreneurs. Web Summit offers startups the chance really to be visible, to meet people that they wouldn't traditionally meet. I think it's a few days, but you get a chance to really open up to a lot of different possibilities. So I think startups, you know, they take advantage of that whenever they get that chance. Yeah. Attends, je retrouve. En gros, on a reçu tous les participants au Web Summit reçoivent beaucoup de mails du Web Summit pour leur dire ok, qu'est-ce qui se passe, machin. Et il y a eu un mail qui est parti genre hier sur les top 10 startups de cette année et on est 4e. C'est trop bien, attends. Tu vois, on reçoit ce truc-là, donc the most hyped startups at Web Summit et on est genre là, le top 10 Recast AI. Cool, hein. Torque Labs can capture motion, you can capture movement. So like, what do you want to know about yourself? Pass water. The core of Recast is a technology that understands human language. Et avec cette technologie, on a construit une plateforme pour que des développeurs puissent construire des chatbots. And you will find all the tools you need to build a chatbot. So we built this technology to understand human language. So we have developed this technology that understands human language. Human language and human language. Here that I can talk to about the fundraising process. Our CEO is not here, unfortunately, he's in San Francisco because we are like, yesterday we announced we opened an office in San Francisco, so just take a flight and go there. But maybe I can send your his contact if you want. Sure, yeah. That's the hope of where we're going to go, is any type of movement. Okay, and what's the timeline for the next version of the product? So the next version of the product, basically, this is my CEO behind you. Hi, so, how are you? How you doing? So far we've been bootstrapped, okay. So we're running out of our own individual money, yep. So we're at a point where we need some investment. And like 50,000 would get us to beta testing a group of 400, and then sometimes So. Ouais, donc du coup il y a pas mal d'investisseurs qui passent, et en fait c'est marrant parce que tu sais ils passent te voir et ils retournent leur badge. Faut pas que tu saches que c'est un investisseur parce que c'est quand même, je dirais que c'est un peu particulier d'échanger avec un investisseur parce qu'il va, il va vraiment essayer de comprendre tous les éléments. Ta boîte et tout parce que c'est super important pour lui, il veut se faire une idée super vite sur est-ce que ça va être une boîte rentable, est-ce qu'il faut que j'investisse dedans, etc. Un investisseur c'est avec quelqu'un avec qui tu vas bosser mine de rien, c'est un mec qui va t'accompagner toutes les étapes de ton, de ta croissance. Et aujourd'hui on a un stade où on a envie de choisir, c'est nous qui allons choisir si on va, si on va, enfin genre prochaine levée qu'on fera ou peu importe, c'est nous on choisira parce que on veut pas travailler avec n'importe qui et on veut que ce soit bénéfique pour nous et on veut. C'est important quoi. Et du coup, enfin bref, c'est toujours super touchy de parler à des investisseurs. Donc j'aime pas quand ils font leur tricky, sneaky, je sais pas quoi là. Enfin bref. So we're actually based in Paris right now. Oh, that's good. Yeah, so we've been there for about 4 months. Okay, cool. So congratulations. Yeah, that's thank you. Good. Yeah. Cool. So at this point, we're running out of our own money, so now we're looking for investment money. Okay. Is where we're at. Okay. So good luck. Thank I hope to hear from you. Yeah, soon. Thank you. Good luck. Yeah, thanks so much. Take care. Bye. Bye.
think it's easy for you to find good people for a job? Like if you were adding more people on board, do you think it would be easy to fill all the positions or any particular jobs that you think are more difficult than others? What's really difficult is to hire people. I think if I can hire like 10 people in the two next months, I will do it, really. But I don't find the good people. This is the real biggest problem. It's really hard to hire. On board is okay. Can you tell me a bit more about your company? What is AI stands for? Artificial intelligence. You're interested in that? Okay. So, yeah. We are involved in the fitness industry and we have a lot of knowledge. So I was thinking, if our data what is kind of information of data I can get and as a trainer? We're looking at building a movement library. So just actually being able to start defining, this is what you look like when you squat. This is what you look like when you run. This is what you look like when you do each of these movements. So this is like a picture of the leggings that we're developing. So it'll be tight fitting to your legs so that we know that we're getting pretty accurate, reliable data. Jorge, nice to meet you. Thank you. Okay, cool. Thank you. Thanks so much. Yes, definitely. Cool. Thanks so much. Je suis perdue, je suis en retard en plus. En fait, chaque mission, c'est vraiment une mission impossible. C'est pas stressant, mais c'est en fait, c'est tout le temps vivre dans l'urgence, tout le temps vivre en mode Fast and Furious. J'espère qu'il n'y aura pas de circulation. Normalement, on devrait être dans une heure chez la cliente. Ouais, mais je suis en route et en fait, il y a pas mal de circulation sur le périph. Le 17h30, ça va vraiment être compliqué là avec tous les embouteillages. Ok, désolée, à tout de suite. Avec la maman, mais j'avoue que c'était chaud. Because it's 3 days, yeah. I was thinking it was just 1 day for yourself. Oh, for us, yeah, but I don't want to take this to because we're gonna go to the parties now. Sorry. Could I just test your product on your website? Yeah, yeah, sure. Is there any public demo? Yeah, well, maybe I... Nicolas, il faut ton mot de passe. Make like here to build, so... Yes, you can make a chatbot alone, but, okay? So we have built a platform to allow developers to easily create chatbots. Thank you.
Good job, Portugal. Yeah, that was cool. Yeah. Top, genre j'étais là genre. Ouais. Il est ultra cher. Dommage. Voilà,